Bonjour à tous. Comment être libre financièrement? On me demande tous les jours. Vous avez été des dizaines à me poser la question. Comment est-ce que tu fais, Fred, pour voyager autour du monde pendant plus de 3 ans et demi sans avoir besoin de travailler? Bon, la vérité, c'est que je travaille pas vraiment. Je fais ce qui me plaît. C'est déjà pas mal. C'est même beaucoup. Je vais vous révéler dans cette vidéo une stratégie de base qui vous permet de vivre la vie comme vous voulez vraiment la vivre. Vous allez voir que en appliquant cette stratégie, vous allez trouver les solutions qui vont vous permettre de vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric Deltour, j'ai écrit Écoute ton cœur et vis tes rêves, je suis auteur et conférencier maintenant. J'ai été sportif de haut niveau, mannequin, élu Mister France, j'ai créé 3 entreprises, bientôt une quatrième. J'ai été professeur de yoga, professeur de tai chi, coach personnel, coach sportif. Et j'ai voyagé autour du monde pendant plusieurs années. J'ai voyagé dans à peu près 50 pays, quelque chose comme ça, depuis quelques temps. J'ai travaillé avec des chefs d'entreprise qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois. J'ai appris avec eux toutes les stratégies que je vous révèle dans mon livre « Écoute ton cœur et vis tes rêves », que ce soit au niveau de la santé. Tout ce que j'ai appris au niveau du sport et de la santé quand j'étais sportif de haut niveau, professeur de yoga, tous les voyages que j'ai réalisés à travers le monde avec des médecins ayurvédiques, des médecins traditionnels, des yogis, tout ce qui concerne l'esprit. J'ai passé plusieurs mois dans des monastères bouddhistes, j'ai travaillé avec des chamans au niveau des plantes, au niveau du fonctionnement du subconscient. Tout ça, je vous le révèle dans mon livre « Écoute ton cœur et vis tes rêves ». Aujourd'hui, je vais vous révéler une stratégie. Avant, j'ai envie de vous montrer quand même le fait d'écouter son cœur, de vivre ses rêves et d'appliquer la stratégie que je vais vous révéler. Voilà un petit peu la vue. Je ne sais pas si vous voyez très bien avec la brume qui se lève en cette fin d'après-midi. Enfin, voilà où je travaille sur le marketing de mon premier livre et puis sur les différents livres qui vont arriver bientôt. La stratégie dont je vais vous parler est la stratégie de base qui a fonctionné pour des milliers d'entrepreneurs, qui va fonctionner pour vous si vous l'appliquez réellement. Vous éteignez cette vidéo et vous verrez, vous appliquez et vous verrez que ça va fonctionner très vite. Écrivez vos objectifs. Écrivez ce que vous voulez réellement dans la vie. Que ce soit de vivre la vie que vous avez envie, de vivre de votre passion. Que ce soit d'écrire, de faire du sport, de danser, de jouer de la musique. Toutes les passions que vous voulez vivre, écrivez-les. Écrivez les objectifs financiers que vous avez. Combien vous voulez gagner? 500 euros, 1000 euros, 3000 euros par mois ou plus. Si vous voulez être libre financièrement, qu'est-ce qu'il vous faut chaque mois pour être libre? Écrivez ces objectifs, lisez-les tous les matins, visualisez la situation que vous imaginez, que vous voulez clairement dans votre esprit et il va se passer quelque chose de formidable. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir beaucoup plus de créativité et ces idées vont vous mener à la réalisation de vos objectifs. Vous allez voir que c'est des idées qui vont vous permettre de vivre la vie comme vous l'avez décidé, comme vous l'avez écrit sur papier. Appliquez cette stratégie. Donnez-moi vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site internet en dessous, la vidéo fredharmony.com où vous pouvez découvrir un peu plus de mon parcours. Vous pouvez me contacter, vous pouvez commander mon livre. Il y a une promotion exceptionnelle si vous voulez en profiter en ce moment. Vous pouvez le commander également sur amazon.fr. Si vous avez envie pour le plaisir de regarder mon blog, happytravel.tumblr.com. 3 ans et demi de voyage résumé sur ce blog. Il doit y avoir 670-680 posts de tous les voyages, de tous les lieux où je me suis arrêté à travers le monde. Voilà. Contactez-moi dès que vous voulez, si vous avez quelques questions que ce soit, et je vous dis à très bientôt.